Yop tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Nuketown 2025 en domination 6v6. Dans cette partie j'étais en solo ODSR 50, donc on se retrouve pour un plus de 60 kills, donc solo ODSR 50. Donc je suis vraiment assez fier de ce gameplay, il est vraiment beau je trouve à regarder. Parce que les 60 kills ils sont faits au flashcope. Enfin, quickscope, comme vous voulez, dragscope, c'est que du quickscope, les mecs, que ça. Il n'y a presque aucun hardscope dans le gameplay, donc je suis vraiment fier de ce gameplay. Donc c'est un gameplay réalisé sur Xbox 360, bien sûr. Donc pour ceux qui sont sur PS3, je voulais vous dire que je pense pas que je reviendrai dessus et que je vais migrer sur Xbox. Par contre, dès que je pourrai, j'achèterai la PS4 et je ne prendrai pas la Xbox One, je pense pas. Enfin, je pense que je prendrai plutôt la PS4. Pour les next gen. Donc voilà. Donc je vais vous décrire ma classe un peu. Donc j'étais DSR50, balle blindée, chargeur rapide, B23R en arme secondaire, poids léger, robustesse, main leste. Donc main leste pour poser l'insertion tactique plus vite, dextérité et donc l'insertion tactique. Donc voilà. Après le camouflage que j'avais dessus, c'est le petit camouflage rouge là. Je sais même plus comment il s'appelle. Enfin, je trouve qu'il est assez joli. Voilà, donc en parlant de camouflage, tiens, je me tends la perche à moi-même. En parlant de camouflage, donc comme je vous ai dit, demain, donc cette vidéo sera uploadée samedi. Donc demain, je vous uploaderai un live, je pense, ou une bonne partie. Je pense que ça sera un live plutôt. Peut-être soit en solo, soit accompagné de plusieurs personnes, mais je pense que je serai accompagné d'une ou plusieurs personnes. Avec le nouveau camouflage 115 militarisé, donc le camouflage vert transparent là qui est super beau, donc je pourrais l'acheter que demain. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que le sniper va vous plaire sur ma chaîne, parce que comme je vous avais dit qu'il y aura un grand changement sur ma chaîne. Bah voilà, c'est fait, donc on commence aujourd'hui avec ce gameplay au sniper. Donc ça que je l'avais dit il y a quand même quelques 2-3 semaines, mais en fait j'avais pas eu trop le temps de jouer. Donc j'avais pas pu trop faire de gameplay au sniper. Donc voilà. Là au passage j'ai failli faire la triple feed et je me suis fait broke. Après j'étais trop dégoûté. Donc comme d'habitude hein, aussi je tente de faire des gameplays, mais je tente aussi de faire de la kill feed. Donc pour faire le montage pour les 5000 abonnés. En tout cas j'espère que ce montage vous plaira, parce que je me consacre à mort pour ce montage. Je joue vraiment co-snipe pour vous rentrer des clips. Et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté les nouveaux camouflages. Donc le 115 militarisé, il y a je crois Octane, il y a Main de Mort. Ça m'a fait très marrer, parce que Main de Mort c'était le killstreak de mort qu'on avait sur Modern Warfare 3. Et c'était le truc qui nous faisait le plus rager quand le mec là il sortait son C4 et il explosait comme une grosse merde. L'impact, il avait 4 km à la ronde, le truc, c'était surcheaté. Donc ça m'a bien fait marrer. Donc le camouflage Octane, donc le nom de la map sur Call of Duty Ghost, donc la map dans le désert. Donc le 115 militarisé qui est très joli, qui est pour moi mon préféré. Nous avons le camouflage Tigre, je sais pas si il s'appelle comme ça, donc en noir et orange. Celui-là, je trouve qu'il est super beau, c'est mon deuxième préféré. Et il y a un cinquième, je crois. Je me rappelle plus de l'autre. Et apparemment il y avait eu un bug, j'ai entendu ça sur YouTube, Twitter, ainsi que Skype, que il devait y avoir un sixième camouflage, et apparemment il a bugué, et ils ont dû faire une mise à jour, je sais pas quoi, pour le remettre, mais apparemment j'ai regardé, j'ai pas trouvé de sixième camouflage. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais le camouflage n'est disponible pour le moment que sur Xbox 360. Donc désolé pour ceux qui sont sur PS3, hein. Mais franchement voilà pourquoi je préfère la Xbox, les gens, on a tout en avance, puis les connexions sont vraiment magnifiques, et c'est ça, voilà pourquoi je suis parti sur Xbox, bonne connexion, on a tous les trucs en avance, les DLC, les camos, tous les trucs, et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'acheter la Xbox, et franchement je suis vraiment pas déçu. Franchement, ceux qui ont l'occasion sur PS3 de tester la Xbox, franchement testez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Donc voilà, et dites-moi aussi, comme j'ai dit, pour les camouflages, si vous en avez acheté, donc pour les joueurs Xbox et PC, je pense. Je sais pas si c'est sorti sur PC aussi. Enfin bref.
En tout cas, pour Xbox 360 et One, dites-moi si ce que vous en pensez des camouflages. Personnellement, comme j'ai dit, moi c'est le 115 militarisé. Donc voilà, donc le gameplay dure un peu longtemps, il dure environ 8 minutes 30. Donc là, on a fini la première manche, je finis avec du 39-9. Donc voilà. La deuxième manche va pas durer très longtemps, elle va durer 3 minutes à peu près. Pardon. Elle va durer 3 minutes. Donc là, je crois que je vais me faire tuer, je me rappelle plus. Ah non, je vais pas me faire tuer. Bon, des fois, vous pouvez voir que j'ai hardscope, mais franchement, dans la partie, les hardscopes que j'ai fait se comptent sur le bout des doigts. J'en ai vraiment pas fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de quickscope quand même. En tout cas, j'espère que vous aimerez le gameplay. Et si vous aimez le gameplay, pareil, je vous demande dans la barre des commentaires de me mettre Black, on veut plus de gameplay sniper. On aime bien tes gameplay sniper. Ou sinon, vous pouvez dire ouais, Black, on aime pas tes gameplay sniper. Alors, et après, si vous n'aimez pas les gens, dites-moi ce qui ne va pas et j'essaierai de l'améliorer dans les gameplays. Pour moi, franchement, c'est un bon gameplay, c'est du solo. Voilà, c'est du sniper. Je pense que ça peut faire plaisir à plusieurs personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime, qui aime le sniper, tout simplement. Et voilà. Donc, voilà, donc j'étais en solo, comme j'ai dit. Franchement, j'ai plus grand chose à vous dire. En tout cas, j'espère que le gameplay vous plaira. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais pas mettre de musique parce que je sens que je vais me bouffer un copyright de merde. Non, franchement, je vais essayer de commenter jusqu'à la fin. J'ai un autre gameplay aussi. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai un autre gameplay, mais je suis mort beaucoup plus de fois. Cette fois, c'est au balista en fait. C'est un plus de 60 kills aussi au balista. Sur Nuketown aussi, pareil. Par contre, dans ce gameplay, par exemple, j'ai fait un plus de 60 kills, mais je suis mort 14 fois, ce qui est assez peu quand même en jouant sniper. Alors que l'autre gameplay, au balista, je suis mort seulement 33 fois. Donc, ce qui est pas énorme. Enfin, énorme, je veux dire, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis de la merde. Ce qui est assez énorme. Donc dites-moi dans les commentaires si vous le voulez. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts hein. Comme je dis, ça peut peut-être déplaire à certaines personnes. Perso moi ça me gêne pas parce que les gameplay sniper hein, quand vous voyez des killfeeders comme Pamage, les Faze, les Soar, les OB, les NV, tout ça, quand tu regardes leur gameplay, franchement certes ils font beaucoup de kills mais ils meurent pas mal de fois hein, ils vont pas mourir une ou deux fois hein, ils vont mourir 10, 20 fois, 30 fois. C'est pour ça que j'ai joué avec des abonnés justement en jouant au sniper et ils m'ont dit ouais Black t'as baissé ton ratio. Je m'en fous, franchement on s'en fout. C'est ça le jeu au sniper, c'est baisser son ratio. Son ratio, on baisse son ratio, c'est sûr. Hein. Je peux pas faire des sets de ratio avec un sniper. Hein. C'est possible, mais voilà, j'en ai déjà fait, mais voilà, c'est compliqué. Enfin bref. Bon, c'est la fin du gameplay, c'était Blackbird HD, donc demain on se retrouve pour un live avec le nouveau camouflage 115 militarisé, soit sur le balista, soit avec le balista, donc, ou le, j'allais dire le MSR, ou le DSR, balista ou DSR. Voilà, c'était Blackbird HD, laissez un like, un commentaire si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, donc je finis sur un score de, vous allez voir tout de suite le score, donc c'est du, attendez, je vais l'afficher. C'est du, voilà, 71-14, donc voilà, c'était Blackbird HD, laissez un like, un commentaire, si la vidéo vous a plu, et je vous dis à demain, allez, ciao tout le monde.